السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامتك في البيت، كنت بعض دخول الأصدقاء، ننتظر الأخوات، إذا كنت بعض الأخوات في السلوك تنتظرون إن شاء الله باش نبداو للبدء في سن شبابك نظرا عطل كان خارج الإرادة. السلام عليكم. نتمنى تكونوا قضيتوا العيد أحسن ظروف وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله، ويرفع لنا في هذا الوباء الشفاء للجميع المرضى إن شاء الله بإذن الله. بانتظار الأخوات والأخوات بانتظارهم وكان يجري بالبرد معذرة مرة أخرى عن العطل الذي وقع وحقق هذه الإرادة، لهذا اليوم كما وقع. أشكرك حكيمة الحضرتين في المبكر
الرحمن الرحيم، أتمنى لكم الصحة والعافية، أن يحفظكم الله من كل داء، دائما الآخرين. سلام أخي علي، مرحبا بك. إذا تعلم اللغة الفرنسية بنجاح يجب أن نصحح قواعد اللغة واستخدامها، ولهذا تضع في حقيقة اللغة واستعاد طريقة عملها. انتظار الأخوات. Pour réussir votre apprentissage de la langue française, vous devez maîtriser les règles de fonctionnement de la langue et de son utilisation. Donc, c'est pourquoi je vais faire des exercices à vous que vous devez réaliser sur vos cahiers et qui vous permettra de réfléchir sur du fait de langue et d'assimiler leurs mots. J'ai dit que pour réussir votre apprentissage de la langue française, vous devez maîtriser les règles. Donc, salam, Hakima, Mahba. Mahba, dit Karti, chokran à la dame. Khalati, chokran. Mahba, dit Karti, chokran. أخوات، أعتذر منكم أن العقد الذي كان خارج إرادتي ليلة أمس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى لكم الصحة والعافية، أن يحفظكم الله من كل داء وبلاء، كما أتمنى الشفاء العاجل لكل مريض. مرحبا. في صوت بعيد وخطوني للتعلم. شوف دابا واش انا نقرا للتعلم اللغة الفرنسية بنجاح
يجب أن قواعد اللغة واستخدامها. ولهذا سأضع لكم تمارين مع الشرح التي تسمح لكم بالتفكير في حقيقة اللغة واستيعاب طريقة عملها. Pour réussir votre apprentissage de la langue française, vous devez maîtriser les règles de fonctionnement de la langue et de son utilisation. C'est pourquoi je vais faire des exercices que vous deviez réaliser sur vos cahiers et qui vous permettra de réfléchir sur des faits de langue et d'assimiler leur mode de fonctionnement. Je vais commencer par avec ces notions. On a ici le verbe. Je vais commencer par le premier exercice. J'écris le verbe au présent de l'indicatif. J'écris le verbe au présent de l'indicatif à la personne demander. On a ici le verbe avoir. On a avoir un jeu de cartes. Avoir un jeu de cartes. Ici, le verbe avoir n'est pas conjugué. Elle est à l'infinitif. Avoir, elle est à l'infinitif. Donc, on va le mettre au troisième personne du pluriel. On va mettre le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Donc, comment va être la réponse? Donc, c'est à vous de chercher la réponse. Donc, on a le verbe avoir. Il n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Donc, on doit le mettre au troisième personne du pluriel. Donc, on a déjà, j'ai déjà fait dans ma première vidéo, donc, les pronoms personnels sujets. Donc, quels sont les pronoms personnels figés? Donc, je, tu, il, elle, au premier personne du singulier. Ce sont des premières personnes du singulier. Mais pour nous, vous, ce sont des pronoms au pluriel. Au pluriel. Donc, je, la première personne du singulier, tu, la deuxième personne du singulier, bien sûr. Il, la troisième personne du singulier. Mais pour nous, c'est la première personne du pluriel. Et pour vous, la deuxième personne du pluriel. Et pour il ou elle avec elle, la troisième personne du pluriel. Donc, la question qui se demande, mettre le verbe avoir au troisième personne du pluriel. Donc, ça sera j'ai dit que le premier personne du pluriel, c'est nous. Et le deuxième personne du pluriel, c'est vous. Et pour le troisième personne, c'est, bien sûr, c'est il. Donc, il. Donc, la suite de la réponse. Il, on a le verbe avoir. Donc, au présent. Bien sûr, au présent, j'ai dit. Donc, la réponse, ça sera il أخت حكيمة سلام سوريا سلام
ما حضرت ليا. في سمعوا بعيد. On a le verbe avoir. Il, la réponse, ça sera. مرحبا بزهرة، مرحبا بيك، مرحبا بيك. إذن قلنا le verbe، عندنا le verbe avoir. On a le verbe avoir. On a le verbe avoir et on cherche à le trouver au troisième personne du pluriel, au présent, bien sûr, au présent. J'ai dit au présent. Donc, on a la il, la troisième personne du singulier, du pluriel, c'est il avec elle. Il avec elle. Donc, ça va être la réponse. Je vais dire la réponse. Donc, ils vont. Ils vont. Donc, il, c'est la troisième personne du pluriel, le verbe avec le verbe avoir, ils ont, parce que le verbe avoir au présent, on dit j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont et elles ont. Donc, puisqu'on a le personne demandé, c'est troisième personne du pluriel, mettre la réponse, ils vont. Donc, ils vont. D'accord? Pour le verbe, on a, pour la deuxième question, on a le verbe commencer. Pour la deuxième question, c'est commencer. Pour la deuxième question, on a le verbe commencer. Donc, le verbe commencer. Donc, pour la deuxième question, on a commencé. Donc, la question, c'est aux personnes du pluriel. Donc, quel est le personne du premier? Personne du pluriel, c'est nous, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On a le pluriel, il, c'est la troisième personne. Et faisiez attention pour le verbe, tous les verbes qui sont avec C, ça devient parce que sinon, si on ne lui ajoute pas le CPD, ça sera comment, quand. Ça va lire quand, mais on lui ajoute le CPD pour le prononcer sans. Donc, ça devient la phrase pluriel c'est nous. Donc, on doit mettre la réponse, ça va être nous commençons. Et on lui ajoute pour le verbe commencer le CPD. D'accord? Donc, pour la troisième question, on a réfléchir. C'est quoi réfléchir? Réfléchir, c'est un verbe du premier, non, c'est pas du premier groupe, c'est un verbe du deuxième groupe. Bien sûr, deuxième groupe, parce qu'il se termine par IR. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, réfléchir profondément, dans le pluriel. Donc, deuxième verbe toujours, vous. Donc, vous, on doit mettre le verbe réfléchir. Le conjugué au présent avec le deuxième personne du pluriel. Donc, ça va être la réponse. Bien sûr, réfléchissez. Parce que le verbe du deuxième groupe, les terminaisons du verbe du deuxième au présent, pour je, il prend is. Pour tu, is. Pour il, it. Pour nous, les en ns. I2ZNS pour vous, I2Z2Z pour I, I2ZENT. Donc, vous êtes avec moi ou non? Vous entendez? Est-ce que vous entendez moi? Hakima, Souad, Mahba, Souad, Mahba, Dik, Mahba. Mahba, Dik, Mahba, Chokran. Chokran, Dikom, Oudam, Kondiya. C'est bien pour vous. D'accord? Donc, la réponse est vous réfléchissez.
présent et du entre. Donc, la phrase suivante, le verbe suivant, donc on a le verbe répondre. Répondre. Le gif. Répondre le gif. Donc, le personne, le élève demandait de le faire au premier personne du singulier. Donc, le premier personne du singulier, c'est je. Donc, pour le verbe répondre, c'est un verbe du. La réponse, ça sera je réponds. Je réponds. Et point à la fin, DS. Donc, réponds tout de suite. D'accord? Donc, le texte est chadid, la habdat, oula, le chauffe, elle fait le petit, après que le juste est le. على شكل باش تشوفوا مي للاسف شديد انا دابا انتوا بي با لو فوار مي انتوا اللي كنت تشوفوا فانا دابا تنقرا او ميم طون لو في مو ميم انا حبيت ليكم باش يتشاف و او ميم طون دو لو فيت مو ميم مي مالوزمون جو ميكسكيز دونك جو ميكسكيز il n'y a pas une autre solution, je suis obligée de lire les questions comme ça et de les répondre. Donc est-ce que c'est نسمح تشوفوا ليا لانني حضرت التمرين وهذا كان على شكل هذا الظرف على شكل تمرين يعني انت الشديد ما تقدمش ليا فوقاش بالضبط طابلو الاخت حكيمه Donc, j'ai pas compris. Donc, être satisfait. Être satisfait. Être satisfait. On a le verbe être ici, on a le verbe être. Donc, être, j'ai déjà expliqué dans mon dernier vidéo. Donc, la dernière vidéo, c'est être, yani, comme à fond, c'est être, c'est l'existence. Donc, être satisfaite, vous devez le mettre au troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Donc, troisième personne du singulier. C'est quoi la troisième personne du singulier? Bien sûr, c'est il, soit elle. Il pour le masculin et elle pour le féminin. Donc, vous voyez ici? Donc, si on met le féminin, donc ça va être « elle est satisfaite », ce que le « être » il s'accorde, l'adjectif s'accorde avec le verbe « être ». D'accord ? D'accord, du coup, il n'est pas là, du coup, il m'a... شكل هاد مثل يا شكرا يا أقرب
على شكل هاد دابا الكوميونيكاسيون، دابا هاد الكوميونيكاسيون كنهضرو في الزمن الحاضر كنقولو دي لو بريزون، دونك انا جي في ميتون لو كونجيغيزون افيك لو بريزون. Pour certains, soit d'élèves, soit ils confondent le passé et le futur avec le présent. Donc, on doit bien maîtriser tous les règles. Tous les règles. Vers Hawaii, il y aura le français, les collisions, soit le grammaire, soit les verbes, soit le conjugaison plutôt. Donc, pour faire une bonne. Communication, donc apprentissage du micro, et pour assimiler le mode de fonctionnement. Donc, donc, je vais continuer. Donc, être satisfaite. Pour être satisfaite, moi, je sais, il y a des troisième personne du singulier. لنا بان الطروازي بيرسون دي سينغولير هي ايل ولا ال. الا استعملناها مع ايل، حنا كنهضروا على مذكر واستعملنا مع ايل، نقولوا ايلي ساتيسفي. هما هي هانتوما لي كومونيكاسيون لي براتيك وكلشي قواعد، نقولوا ايلي ساتيسفي. ما نزيدش ما جو في با جوتي لو او على فان، مي لوسكو جو في دير ايلي ساتيسفي، دونك ايلي سي لا فيات اون في. Elle est rien ou elle n'est pas une fille. Donc, pour vous, elle est satisfaite. Je dois ajouter le E à la fin de l'adjectif satisfaite. Je suis très heureux. بهاد التحفيزات اللي كون واخا كان انا سيفاك لي سي مالاد مي لي كون وانا كان ميرسي بوكو سعاد ديلي ساتيسفيت ميرسي سعاد ميرسي بوكو ميرسي. دونك الي ساتيسفيت سي جوست، الي ساتيسفيت سي جوست، الي سعاد سي جوست، الي ساتيسفيت. بوكو باسكو ال سي فيمينان، دونك اون دوا اجوتي لو او pour l'accord du sujet. On a le sujet féminin, puisque ça aide, c'est très bien. Donc, puisque le sujet est féminin, elle, donc on doit ajouter le E à la fin de satisfaite. Mais si c'était le masculin, on ne doit pas le ajouter. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le verbe être, et on a ici, il doit s'accorder avec l'adjectif. Elle est satisfaite, donc elle est satisfaite, c'est pas le passé composé du coup. Donc on a la pièce, on doit dire satisfaite, elle est satisfaite. Donc c'est très bien, c'est juste. On a aussi la phrase avant la dernière, on a je mets à la troisième personne du féminin singulier. La troisième, voyez ici, vous devez faire attention. Ici, vous devez faire attention aussi. Pourquoi? Parce qu'on a je mets à la troisième personne du féminin singulier. Donc, la troisième personne du féminin singulier, c'est quoi? La troisième personne du féminin singulier. Féminin singulier. Bien sûr, c'est elle. Elle est toujours elle. Donc, je veux bien. La phrase, elle est. Je veux bien. Je suis prêt. Regardez, vous entendez ici, on a E, c'est à la fin. Je suis prêt. Un A. Je veux bien, Olido, je vais prêt. L'accord en genre et en or. C'est très bien, oui, en genre, l'accord, ça sera en genre et en or. C'est très bien, oui, c'est bravo, c'est juste. Donc, on a, je veux bien, je suis prêt. Donc, comment ça devient la phrase? Je veux bien, je suis prêt. Donc, c'est le féminin qui parle. Il est un fait, je, moi, un net. Il est un je, un net. Rien prêt. Quand je suis prêt, rien. Donc, il y a déjà Abdelina, la phrase en courant, troisième personne du féminin. Il y a elle. Donc, la phrase, ça va devenir, je veux, ça va devenir, donc, je veux, ça veut dire, elle veut. Donc, E-I-X, ça devient E-I-T.
on a prêt, on y ajoute le e. Puisqu'on a aise féminin, on y ajoute le e. Donc, ce n'est pas le pratique. On doit pratiquer pour qu'on dise que communication, يعني في محلها صحيحة، لأن القواعد هي كل شيء، ومع القواعد وهذا يعني الكوميونيكاسيون سافا إتخ بون. دونك بور لا دانيار كيستيون دو سو با، دونك أون لا جيني أ لا بروميار بيرسون دو بلوريال، لا بروميار بيرسون دو بلوريال هي Nous, bien sûr, nous, la première personne du pluriel, et nous, on fait attention et on joue. On fait attention et on joue. Donc, on, ça devient nous. Nous, le verbe faire, on a le verbe faire. Le verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe, parce que c'est un verbe irrégulier. C'est quoi irrégulier? Ou faire, il y a ni, يعني irrégulier ما عندوش قاعدة تطبق لأن الأفعال ديال الترومي جروب اللي كي تيتيرمين باغ أو إر والأفعال ديال الدوزيام جروب اللي تيتيرمين باغ أو إر لهم قاعدة تطبق يعني عندنا قاعدة تقول لنا بأن جو راه تتاخد أو نيمبورت كيل فيرب دي ترومي جروب راه جو تتاخد أو على فان أو تي راه تتاخد أو إس على فان أو إي تتاخد أو على فان أو إل تتاخد هي تبدل أو على فان Mais pour nous, elle se tapote O, N, S à la fin. Pour vous, elle se tapote E, V à la fin. Il avec S, se tapote E, N, V. Mais pour le deuxième groupe, aussi. Aménager, se tapote I, S. U, I, S. I, I, S. Plutôt, pardon. Il se tapote I, C. Ou nous, se tapote 2, S, O, N, S. I, 2, S, O, N, S. Nous, se tapote I, 2, S, 2, S. Ou il se tapote I de S, de D, de N, C. Donc, pour le troisième groupe, il y a un abdomen comme ils sont. Pourquoi? Parce qu'on a une autre chaîne de tout à l'heure, il y a un abdomen. Donc, pour le verbe du troisième groupe, il y a une autre chaîne, donc ce sont des verbes irréguliers. Donc, le verbe faire, ça, je fais, tu fais, au présent, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisiez, ils font et elles font. Donc, nous faisons attention. La réponse, ça sera nous faisons attention et nous jouons. Nous faisons les mêmes services ou un élève. Nous faisons attention et nous jouons. Nous faisons attention et nous jouons. D'accord? Donc, ici, pour, on va passer pour faire le conjugaison du pronominal. Donc, du verbe pronominal, on a le verbe soutenir au présent. Parce qu'il y a des élèves qui ont mis beaucoup de fautes au verbe pronominal. Donc, le verbe soutenir au présent. Je dis, je me tiens. Tu te tiens. Nous tenons. Je veux te. Oui, oui, je vais être en chocolat, en chocolat, en chocolat, en chocolat, en chocolat, en chocolat. Donc, je me tiens. Tu te tiens. Donc, je me tiens, tu te tiens, il se tient, nous ne tenons, je vous tenais, il se tient, elle se tient. Donc, pour ça, le verbe se tenir est conjugué à la forme affirmative. Donc, nam, parati, aidi. Donc, quand on veut demander de le conjuguer à la forme négatif, il y a un défaut, ne pas. Donc, ne pas, on lui ajoute ne pas. Donc, par exemple, le verbe se promener, ne pas au présent et à la forme négative. Donc, on lui ajoute ne pas, ne pas. C'est un défaut, ne pas. Vous voyez qu'il y a ne pas, qui s'en va en bas. Ne pas. Donc, Angina, Naya. Oui, 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 très bien, oui, oui. Donc, on a une liste de la négation de l'ordre de l'ordre pronominal.
شويه كيصعب على الوليدات كومون لو فير. دونك اش كنديرو؟ كناخدو لا ميداسيون كنديروها قبل من لي برونون ريفليشي. شنو هما لي برونون ريفليشي؟ هما نو هما لي برونون ريفليشي. كنديروها ما بين برونون ريفليشي اي لي برونون بيرسونيل. لي برونون بيرسونيل اون لا ديجا في. Donc, mon majeur, si, il ou nous, ou vous, ou il, ou elle avec elle, mais le pronom réfléchi, on m'a me, ou ce, ou ce, ou nous, plutôt, ou vous, et ce. Donc, ça devient, je ne me promène pas. On s'en pour la négation, on fait la négation d'abord, et on fait le verbe, et après, on fait la négation pas. Je ne me promène pas. Tu ne te promènes pas. Tu ne te promènes pas. D'accord? Vous promenons pas. Il est un petit peu compliqué ici. Mais vous devez le savoir. Vous ne vous promenez pas. Tu ne te promènes pas. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous donner des mots et c'est à vous de le trouver. لكم هذه مولي هاد مشرشي ديمو كي تترمي فار او اي ار داكور ديمو كي تترمي فار او اي ار ولكن على سياق الجملة عندنا في لا بروميير فراز قلنا سوان لي مالاد افوتر افي شي اسم كينتهي ب او اي ار في الاخر ديالو ولكن يكون ليه علاقة بهذه الجملة سوان لي مالاد دونك كي با اتر افوتر افي Il laisse pas partout ce mot, mais c'est un petit peu facile. Donc, soin des malades. À votre avis, qui va être qui soin des malades? Je connais qui est un mot là. Donc, le mot doit être l'isme qui est compté sur AR, EIR. J'attends votre réponse. EIR. Donc, EIR. Le mot, c'est qu'on essaye de faire. D'accord? On voit qu'on est à la fin de soigner les malades. Donc, le, qui va être le, allez, étudier. Le, donc, allez continuer la phrase. Le, activement, les personnes qui soignent les malades. Les personnes. C'est un nom du personne qui soigne les malades. Donc, comment le nom, qui fait un signe, comment le nom, le personne qui soigne les malades. Donc, il y a des traductions, je devais les. Oui, très bien. Le docteur. Donc, il se termine par EIR. Donc, c'est un mot qui se termine par EIR. Donc, le docteur. Je vais vous donner d'autres mots et c'est à vous de le trouver. Donc, on a qui conduit le camion. Qui d'autre? Souad, oui, bravo Souad, c'est le docteur. Oui, c'est juste. Donc, maintenant, vous avez, je vais vous donner une autre phrase. Donc, c'est à vous de trouver le mot. Qui se termine par EIR, elle, mais qui a une relation, le conduit. Avant, tu as répondu pour une réponse, je n'ai pas encore le posé. Je me suis. Donc, oui, pour Arthur, je me suis. Ce sont des pronoms réfléchis. Ce sont des pronoms réfléchis qui se trouvent près du pronom personnel. Ce sont des pronoms réfléchis. C'est pour les, on l'utilise pour les verbes pronominaux. Et on a fait ça dans les verbes pronominaux, c'est un Donc, les verbes pronominaux, c'est là accidentellement, les verbes pronominaux accidentellement, et les verbes pronominaux essentiels. Essentiellement. Et. Accidentellement. Ce sont des verbes. Il y a comme je vais vous donner des exemples qu'il faut bien comprendre. Le verbe
se laver. Déjà, se laver, c'est une sélimation pour le prend dominant ou pour faire des. Par exemple, c'est un goût, c'est un peu charré. Je lave mes cheveux. Je lave mes cheveux. Et il y a des faits par rapport à la voix active. Donc, elle mais je peux l'utiliser à la forme pronominale. Donc, je me lave. Elle est accessible. Je me lave. Je me lave. C'est-à-dire que c'est un verbe accidentellement. Mais pour le terminal, maternel. Oui, ma partie. Donc, pour le verbe se laver, c'est un verbe accidentellement. Pourquoi? Il y a un accident, c'est juste halal. C'est pronominal ou reste pronominal. Mais le verbe essentiel, où il fait l'imaginaire, je sens qu'au halal, il le fait halal, il va être dans les rires. Il y a un dialogue, s'absenter, le verbe s'absenter, rire. Donc, on doit pas, on peut pas enlever le S, dialogue. Alors, je vais en avoir dit à Aldo, alors, quand je dis S, mais. Donc, le verbe n'aura aucun sens. Le verbe n'aura aucun sens. Donc, c'est dans votre FL, dans les réels, c'est ce qu'on aura effacé, les réels FL, c'est ce qu'on voulait étudier. Elle n'aura pas de dire, c'est-à-dire, ça ne sera pas de dire, ou l'aide de faire les réels, c'est ce qu'on a donc aucun sens. Mais pour le FL, il y a les apologas accidentellement, il y a FL, dans les réels, ça ne sera pas dans les réels. L'exemple, il y a fait comme se laver. Donc, c'est le coton que je me lave ou bien je lave. Mais pour les autres verbes qui sont essentiels, on ne peut pas les éviter. On ne peut pas éviter les deux. Donc, hier, ah, oui. Donc, oui, c'est très bien. Donc, on va continuer notre exercice. D'accord? On a le serpent qui coupe les cheveux. Comment on l'appelle? Le chat l'a dit. نذهب على عنده لقص الشعر أو للحلاقة. Donc comment il s'appelle? Donc vous allez trouver le mot qui se termine encore par er. Donc qui coupe les cheveux. Donc il va être le personne qui coupe les cheveux. Donc c'est le oui qui a répondu le quoi? Oui c'est lui le coiffeur. Donc il va il se termine oui c'est lui. L'islam, c'est le coiffeur. Donc, il se termine par le IR. Très bien. Très bien, c'est le coiffeur. Encore une autre fois, on a des exercices dans ce exemple. Donc, on a le personne qui distribue les lettres. Le personne, chaque lundi, qui distribue. Distribuer, il y a l'ouzbien. Distribuer, il y a l'ouzbien. Distribuer les lettres. Donc, à votre avis, qui va être? Oui, c'est bravo, c'est le facteur. Oui, c'est le facteur qui distribue les lettres. C'est le facteur qui distribue les lettres. Distribue les lettres. Saad, oui, c'est le facteur. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc, on a encore une autre phrase. Le personne a été attrapé par les gendarmes. Chaque l'a dit, yani attrapé, les gendarmes. À votre avis, qui va être la personne qui a été attrapée par les gendarmes. Le nom dialogue encore, il se termine par EIR. Le nom dialogue se termine par EIR. Donc, qui va être la personne qui a été attrapée par les gendarmes. Le, yani, une scène qui commet des fautes ou bien qui vole quelque chose, qui frappe chez Hedja, ou là commet un sac qui frappe à Jérima, ou quoi, qui tue de même parapte des gendarmes. Donc, il va être une personne qui a été attrapée par les gendarmes. Le vol. Oui, c'est le voleur. Oui, c'est le voleur. Oui, c'est le voleur. Oui, et c'est on qui veut écrire. On est. Oui, c'est lui. C'est le voleur. C'est lui. C'est bon. Oui, bravo, c'est lui. C'est le voleur. Le voleur. C'est le personne qui a été attrapé par les gendarmes.
Donc, c'est le moulin. Très bien, très bien. Maintenant, je vais passer pour faire d'autres exercices. Comme ça, on a de l'urgence, mais il est intéressant comme ça. C'est bon, on réfléchit. Et pas on essaie de réfléchir et de faire les réponses. Moulin, c'est juste. Ah, oui, c'est juste, c'est juste. C'est bon. Très bien. Donc, voici, maintenant, on a fait comme moi des kalimat. معاني عندها جوج معاني نعطيكم انتما سي ا فو دو تروفي الكلمه المطلوبه نعطيكم وتعطيني انا عندها دو سونس كلمه عندها دو سونس وانتما تبداو تبداو تروفي هاد لو مو هي على شكل المهم يعني اتر ايماجينير اتر ايماجينير موتي فا موتي فوا سون هي être خياليه خياليه être حنان أصلاً سلام شكرا حنان مرحبا بك مرحبا بك مرحبا مرحبا بك دونك عندنا être imaginaire هذه خياليه دونك عندنا moitié femme نصفها امراه ونصفها سمكه يعني كل شيء غيعرفها مي اون فرونسي je le cherche en français donc moitié femme et moitié poisson هي معروفة نقولوها يمكننا نقولوها بالعربية يمكن لكم تقولوها بالعربية تخي بيان لا سيغان برافو برافو لا سيغان اسي اسي ار او اكور برافو لا سيغان سي لا سيغان تخي بيان شو هنا عندها جوج معاني هاد لا سيغان دونك في لو بخومي سون اتر ايماجينار موتي فام اي موتي بواسون سي لا سيغان Mais regardez ici pour la deuxième phrase, ils ont le même, c'est pas le même sens, ils n'ont pas le même sens. Mais non, je suis le même. Voilà, c'est le même. C'est le même. Voilà, c'est le titre. Nous sommes bien. Il y a un autre titre. Là, la Fatima. Fatima, Fatima. Donc, pour la deuxième phrase, vous m'entendez? Donc, pour la deuxième phrase, c'est appareil qui produit un bruit fort. L'appareil, c'est appareil qui produit un bruit fort et prolongé en lançant un incendie. Donc, l'appareil qui produit un son qui est pratiqué comme la sirène, elle a deux sens. Donc, appareil qui produit un bruit fort et prolongé en lançant un incendie. À votre avis, qui va être? Donc, l'appareil, c'est ça. Il y a un chose. Il y a un chose. Moi, c'est ça. C'est ça. C'est bon. Allez, continuez, vous pouvez continuer.
Les oiseaux en ont le corps couvert. Ando, un petit mot. Moi, Akka, oui. Vous pouvez l'écrire en arabe. L'intérêt comme vous voulez l'arabe, le, la, نعاود الطيور مغطاة ب الجثة ديال الطيور مغطاة ب هذا اللي هذا الشيء باش مغطيه هو اللي في كل جو شيرش الشيء باش مغطيه هو اللي في الخندق اللي ثاني ريش برافو سير ريش دونك لي اي برافو سعاد سي لي بلوم برافو تري بيان تري بيان سعاد سي لي بلوم دونك لا بلوم لي كوبرت انكور دو دي زوازون سي لي بلوم برافو برافو سي لي بلوم دونك لا بلوم سي سمو كو جو شيرش لا بلوم Et pour la deuxième, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. L'élève a cassé celle de son stylo. Elle s'immise, Kaspar vient, je m'en vais, elle vient de stylo. Celle de son stylo. Faisais attention, c'est le même. On a deux parties qui sont différentes, mais. Donc, j'ai dit, pour le sens 1, c'est les oiseaux en ont leur corps couvert. Et l'élève a cassé ses 200 kilos. Donc, ses 200 kilos. D'après, le même mot. La même leçon qu'il y fait. Donc, le même mot qu'on a trouvé. Reste à cassé le pluriel. Les plus. Mais pour, on parle d'un seul stylo, donc c'est là, c'est ne plus mot, c'est la même mot. Donc c'est là, la plume. Vous voyez? Donc l'élève a cassé celle de son stylo, donc on le nomme aussi la plume. La plume. Vous voyez? Là, on a un chéliment pour se sécher avec, pour laisser une mère pour aller. Tout à fait, elle est changée. Donc, pour la première phrase qu'on a dit pour les oiseaux, la prime. Oui, c'est la prime. Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est juste plutôt. C'est la prime. Donc, vous voyez, donc, l'élève a cassé celle de son stylo, c'est la prime. Et les oiseaux ont le corps couvert par la prime. Vous voyez, ici, on a la prime. Et la prime pour la première, au premier sens, prime, deuxième sens, prime. Mais elles n'ont pas de même sens. Et ils sont de même écriture. Pour moi, c'est aussi beau, mais ne s'en est pas. Elle fait une moraille. Salam Karima. Marhabat, Karima. Karim, Marhabat, Karim. Marhabat, Karim. Marhabat, Karim. Chokran. Donc, on a l'élève a cassé celle de son stylo et les oiseaux ont le corps couvert. Donc, on a ici deux mots qui sont de même écriture. Ils sont écrits de même écriture, mais de sens différents. Un mot, le ma'ani, certainement. D'accord? Maintenant, on va passer pour faire une autre comme cet exercice. Donc, elle, on y est, donc, on va passer pour faire la question suivante. Donc, on a un trait. Trait quand vous connaissez le trait ou un aksata. Trait. Si vous avez un aksata en français, on dit c'est là. C'est là. Donc, ça veut dire un trait. Ou un trait ou aksata. Donc, on le nomme aussi là. C'est-à-dire que vous allez vous trouver. Et pour le deuxième sens, donc on va trouver d'abord le premier sens. Un trait, c'est là. Donc, lorsque le professeur vous demande de faire la ligne avant de écrire votre phrase, on dit là. La ligne, bravo, c'est la ligne. La ligne, oui, c'est la ligne. La ligne, what's up? La ligne.
France, vous entendez le comment je vais dire cette phrase, fil attaché au bout d'une canne. Fil waqi, mettabat latak na attaché au bout d'une canne à pêche. Donc, fil attaché au bout d'une canne à pêche. Comment on le nomme? Et c'est le premier. On a réfléchi un petit peu parce qu'on a déjà trouvé la réponse. Là, vous devez encore réfléchir. On a déjà, on a déjà dit pour le trait, un trait, c'est la ligne. Et le fil attaché au bout d'une canne à pêche, comment on le nomme? Et c'est le premier. C'est presque la même. C'est le kalima qu'on a trouvé. La même phrase, ou bien le même mot qu'on a trouvé. Le même mot qu'on a trouvé. Donc, c'est là. Tu vas répondre, c'est là. Allez, essayez de le trouver. Essayez Hakima, essayez les autres. Allez, vas-y Hakima. Là, la même, c'est pareil que le mot qu'on a fait, qu'on a trouvé. C'est pareil. C'est pareil que le mot, ou un petit élément qu'on a trouvé. Donc, c'est là, la ligne. Bien sûr, c'est la ligne. Donc, elle est toujours, on a le même mot, mais de sens différent. On a le sens différent. On a le sens 1, c'est un trait, la ligne. Et pour le sens 2, je suis là. Oui, Hakima, merci. Donc, pour le sens 2, c'est la ligne. Fil attaché au bout d'une canne, à pêche, donc c'est la ligne. C'est toujours le même. Donc, qu'est-ce que pour être d'accent, je vais ajouter une autre, la dernière, si je répondais, je suis là. Oui, merci. Donc, j'espère que vous répondez à cette question. La ligne, oui, c'est très bien, c'est la ligne. Oui, bravo, c'est la ligne, la ligne. Je vais vous poser une question, ça sera la dernière pour cet exercice. Après, même, oui, c'est très bien, c'est la ligne, la ligne. Tu vois, Hakima, c'est la ligne. Et pour le trait, on dit la ligne. Donc, on a le même mot, mais ils ont de sens différents. Ils ont de sens différents. Vous m'avez dit, le horo, le soubine, ils sont écrivés de même façon, mais de sens différents. Ils ont de sens différents. Donc, vous voyez, donc il me reste la dernière question de ce sorte d'exercice. Donc, femme qui fait la cuisine. Elle a un appareil électroménager. Comment on l'appelle? Donc, elle a une femme qui fait la cuisine. Comment on l'appelle, la femme qui fait la cuisine? Soit une femme, soit un homme. Là, vous trouvez la réponse, c'est très facile. Donc, la femme qui fait la cuisine. À votre avis, qui va être son nom, la femme? La femme qui fait la cuisine. Oui, la cuisine. Et ça sera quoi? La femme qui fait la cuisine. La cuisine. La cuisine. La cuisinière. Donc, la femme qui fait la cuisine, c'est la cuisinière. La cuisinière. D'accord? Donc, ça, c'est pour le sens 1. Pour le sens 2, on a un appareil électroménager. Donc, comment on le tire? On le. Par laquelle on fait cuire. Un ajusteur au bac des fonds. Par laquelle on fait cuire. Donc, quelqu'un qui a écrit la cuisine, oui, c'est juste la cuisinière. Oui, qui a oublié le accent. Donc, c'est la cuisinière. Donc, la femme qui fait la cuisine, c'est la cuisinière. Et pour l'appareil électroménager, le marketing head of the. نجد أن كلمات تتشابه
الكتابة، ولكن il y a des mots qui se ressemblent mais ils ont des différents sens. Faire une petite rappel pour oui, c'est la ligne, la cuisinière, oui, c'est juste la cuisinière. Donc, maintenant, je vais passer pour faire un petit exercice, maintenant de questions. Donc, pour faire un petit rappel, l'usine Mogadiscio, où on a dit beaucoup, même le fait Moubachar, aucun fait Jacques Aoudjadi. إذن هو نجده مباشرة مع الفعل دونك تلتميز لو سي أو دي وعندنا كذلك لو سي أو إي لو كومبليمون دوبجي ديريكت سي أو دي هي لابريفياسيون والتقصير ديال كلمة كومبليمون دوبجي ديريكت كومبليمون دوبجي ديريكت دونك باش نفرقو ما بين المفعول المباشر المفعول غير المباشر عندنا يكون عندنا الاسم والفعل والمفعول به مباشر دونك هذاك المفعول به المباشر ما تكونش بتطلع حتى أداة حرف جر اللي هي لي بريبوزيسيون ولا أداة جر اللي هي دو لا أ لا أو ولا شي إلا لقينا أمام الفعل من بعد الفعل والمفعول به فاصلة غير لي بارتيكل ديفيني سوا ديفيني لا لي بارتيكل لو la ou la les ou la l apostrophe ou la les adjectifs démonstratifs elle doit être le démonstratif qui chavia ou les adjectifs positifs elle doit être multiplia elle doit être multiplia il y a ma papa mon enfant mes fesses exemple une parole je prends ma règle ma adjectif positif adjectif positif دونك هذه أداة أبجيكتيف أداة نسية يعني راه الفعل مباشر كنقولو ديك غادر ما غادر راها سي أو دي مفعول به مباشر لماذا لأنها ما كناش دو ولا شي أداة الجر دو ولا شي كنا أبجيكتيف بوزيتيف عندما تلقاو أبجيكتيف سوا أبجيكتيف بوزيتيف أو لي ديتيرمينون لو لا لي ما إلى فوسفوس إكزومبل جاشيت جو بخون لا روك لا ديك لا راها مفعول نتابعوها المفعول به مباشر اذا غنعطيكم جملة باش تشوفوا واش فهمتوا او لا جو تني لو سي او دي غنقصر على لو سي او دي جو بونس لا فراس سي لو سيزون كوندوي لو تراكتور او شان كيلي لو سي او دي سي دون سات فراس لو سيزون le paysan conduit le tracteur au champ. Donc ici, c'est le où est le taf et où est le COD. C'est là, il continue le COD. Le paysan, où est le COD ou le COI. Donc, la première question, vous devez trouver le COD. Le paysan conduit le tracteur. Le paysan conduit le tracteur. Donc ici, le mfoul bi huwa le paysan conduit le tracteur. Achna qalt ana li anna mfoul bi li kitna ba3d al-fi3l tkun ya ila qila le ou la la ou la li ra hada kou li qli moura huwa mfoul bi mubashir w laysa bi ghayr mubashir li anna alach kina wahed le la 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 qui sont les articles ou là les adjectifs démonstratifs le verbe conduire c'est très bien c'est le verbe c'est conduire mais le complément moi je cherche le complément ou quoi il faut dire ou quoi il faut dire ou quoi dans la phrase de plutôt la phrase il y a le paysan conduit le tracteur le tracteur. Elle a le verbe « reconduire ». Le verbe « conduire ». Je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent, elles conduisent. Donc, le complément « roi », le tracteur. Le tracteur. C'est un ism, le paysan. Le verbe « ism » chez le fait « conduire ». Le verbe « fait »
يكون très bien. حنان تراكتور هو المفعول به، تراكتور هو المفعول به. وباش باش وضحنا وعرفت لينا بأنه هو المفعول به، بديك لاكتيكل لو حسينا لو تراكتور راه هذيك لو وضحت ليا بأن راه المفعول به مباشر. عندنا لو بريزون كوندي لو تراكتور، دونك المفعول به هو لو تراكتور. تري بيان، دونك اون باسرا بور فير لا فراز سويفون. Comme j'ai compris ce que tu veux dire, le mot vert. Oui, j'ai compris. Il y a trois mots qui se prononcent de même façon. Ils se prononcent, mais les mots, les mots, ils se prononcent. Il y a un mot qui se prononce. Il y a un vert, il y a. حصلنا بودا بتفسير هذا، وعندنا فير تيجر، وعندنا لو فير تي، دونك ils ont deux sens différents. هاد لي تخوا مو اون دي ils ont de même prononciation. Ils ont de même prononciation. عندهم نفس النطق. و غير هادو شويه غير لي كريتير كي سو ديفير. لي كريتير كي سو ديفير. مي ils ont de même prononciation. عندهم غير لي سانس كي سو ديفير. Pour les exemples que j'avais fait tout à l'heure, les kalimat qui datent de là, il y a des mots qui se prononcent de même manière que l'écriture. Donc il y a le mot qui se termine par R et l'autre qui se termine par T et l'autre qui se termine par S. Donc ils ont trois, on a trois mots. Des sens différents et des écritures bien sûr différentes. Oui, Hakima, il y a des mots, وهي القواعد نتكلم بالتدقيق وبقواعد. شكرا اخت التربوية، شكرا لك الجديد، شكرا لك وكل من حاضر معنا وكل من يساعدنا ويسمع لنا ويسمعوا ليه، وحنا هنا كنا باش نتعلموا وباش انا تنزيد نتعلم وبالمساعده ديالكم وبنخصيكم الله يسعدكم ولينا جميع ونسيدنا محمد. دونك جو في اجوتي اون اوتر فراز بوغ لو سي او دي. قلنا لو سي او دي هو مفعول به مباشر، فباش ما يبقاش نخلطو ما بين مفعول به مباشر وغير مباشر. واذا وعلى فكره المفعول به المباشر تتاكد بحال قبيله في الجمله الي تخي بناء à la fin des traits parce que ça accorde que c'est un féminin. Mais le mot du mot d'âge est le même mot d'âge de l'intérêt. Donc, c'est accorde le fait. Mais ça connaît maintenant le mot d'âge de l'intérêt. Ça accorde, il s'accorde en gens, si on a, il s'accorde. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot d'âge qui a déjà le fait. Ça accorde. D'accord? Donc, on a l'agent de police, règle la circulation. Donc, l'agent de police règle la circulation. On a le CGOA, l'agent de police. Donc, où est le qu'est-ce qu'on a ici? On a le COD ou le COI. C'est où est le produit? Donc, l'agent de police. Règle, ça vient du verbe régler. Règle, la circulation. La circulation. Et où elle me produit, allez, allez chercher le verbe, le complément sur D. La circulation. L'agent de police règle la circulation. La circulation. L'agent de police
règle la circulation. La circulation. Donc, on a l'agent de police. Vous voyez ici, on a le mot, le sujet. La circulation vient de COD. Très bien, c'est COD. Pourquoi? Tu as bien compris. Je sais que tu as bien compris parce que pour répondre, pour dire le COD, ça veut dire que tu as compris. Donc, Hanan, Osmani, circulation. Très bien, c'est la circulation. La circulation. Très bien, la circulation, c'est le COD. Le COD, pourquoi le COD? Parce qu'il n'y a pas la préposition. Et je ne sais pas trop bien. Tout simplement, les gens ont montré ça en trouvant de la vie même à comme le produit le rêve ou bien chez ça comme lui même comme le fait de vous lâcher vers les prépositions. Je n'ai pas les prépositions, mais elle doit toujours. Mais c'est comme un hâte à la vie, c'est un produit. Mais il y a deux, et je vais vous donner des exemples comme je vais chez ma tante, je vais chez ma tante, elle a un chien très laid chez moi. Préposition. J'ai dit, madame, le produit me comble, elle a un produit réel mauvais. Il se met CO. Là, je vais à l'école. Je vais à l'école. Le verbe oiser, ou le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, et bon. Mais le complément oua, l'école. Voilà, l'école aura COI. Pourquoi il est COI? Il est un produit réel mauvais. Il y a 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 un produit réel mauvais. Je parle avec ma soeur. Je parle avec ma soeur. Avec Raadet, je dis. Il y a un produit réel mauvais. مفعولين غير مباشر COI COI نهاد لفظ دون تفظ ونقض COI سيديا حنان سيدي سيدي دونك مفعولين هو أكثر تربوية جيد في COI دونك نقول بأن هذا مفعولين مباشر لأن ما جات مفصلة حتى شي أداة جازمة إذا وجدنا ما بين مفعولين والفعل ديك لا le la circulation il ne s'en pas là ou là le tracteur la phrase qu'on a trouvée le tracteur ou la circulation ou la magom ou le stylo ou la les chemises mais une belle le fait une pièce nous produit elle là a une produit mauvaise et une produit reste très facile à prendre mais donc l'agent de police maintenant est tenu pour l'agent de police. C'est l'agent de complément bien de police. Moi, le police. Donc, l'agent de police, le complément bien de police, bien moi, de police. L'agent de police. Donc, règle la circulation. La circulation, il y a là, complément d'objet direct. Le COD. Complément d'objet direct. L'Oxtehakima Khakil, le comme de communication, d'accord, c'est bon. Pour communiquer, mais Inch'Allah, c'est le qui passe avec le travail de Hadal, directement, c'est pas comme aujourd'hui, c'est un peu difficile à faire comme la communication qui est là. Mais je suis trop pour écrire directement, mais j'ai pas de chance, ça sera pour une deuxième fois, une autre fois, Inch'Allah. وكنشكركم على هذا الدعم ديالكم ليا شكرا شكرا بزاف عاد وكنلاحقكم وكنشكركم بزاف عاد ولاحقكم ولا كاينه شي حاجه نقولوها الا شي حاجه خصكم شي حاجه يقولها ليا ولاحقكم دونك سي جي اون كونتينيو ان تي بو داكور. Donc, je vais vous donner quelques phrases et vous allez dire les phrases qui sont justes ou bien fortes.
Donc, je vais d'abord expliquer le principe qu'on utilise, le verbe avoir. Il y a le verbe être ou avoir. Ce sont deux verbes essentiels pour la langue française. Donc, bien, les varices, elles me parlent qu'il y a le verbe être et avoir. Et à force, le soit présent, le futur, l'imparfait, le passé composé. Oui, attention, ce qui se signifie le verbe être et avoir. Donc le verbe avoir هو فعل ديال النسيه عندما نقول انا املك شيئا. Donc là c'est donc il signifie posséder. Le verbe être signifie que je possède quelque chose. Donc لدي املك شيئا او لدي شيئا هو le verbe avoir. Donc تنستعملوه في عده استعمالات. Donc le verbe avoir عندما اقول انا املك شيئا ما أو j'ai une voiture, j'ai une belle voiture, mais j'ai une voiture jolie, ou elle a un achat, ce sont des exemples, par exemple, un achat belle, elle a des cheveux noirs, donc ça nous sert pour la description, noir, bien chère, c'est-à-dire que ça nous sert nous, j'ai une demande, nous disons des signes bien là, j'ai par exemple la maladie qui a mis 40 ans, je veux dire j'ai 40 ans. Donc, d'accord. Donc, on utilise pour exprimer l'âge, ما نقول جسمي
Je ne vais pas dire que je suis montée au premier étage. Dans un bout, j'ai monté, soit sur la table ou autre chose, un bout, j'ai monté la table au premier étage. Donc, pas que je dis pas sur la table ou d'accord. بسم الله ما نقولش صبرت عليكم وكاين بزاف ما يتقال وما يتشرح وظروف وما مي للأسف ما نطولش عليكم وما نكونش ثقيلة على قلوبكم نشكركم بزاف بزاف عاد والله يخصيكم وانا معاكم كلكم والله يخصيكم والله يطول بكم ولينا والجميع ولي سيدنا محمد وتسمينا Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre beau commentaire et votre motivation. Merci infiniment pour votre avis très positif. Et j'espère que je serai à la hauteur. Je comprends وشكرا بزاف بزاف شكرا شكرا زهراء شكرا سعاد شكرا حنان شكرا كلكم كلكم تنشكركم الله يكفيكم بزاف يا اخت حكيمه الله يكفيك بلدات البلدات كله طاقة حنان وكل شيء وام اياد الله يكفيكم الله يسلمكم اموركم جميعا وتسلم لكم في المستوى وما ضيقتكمش والله يكفيكم بزاف عاد وان شاء الله نستخدم بعضياتنا ونحضروا ما يفيد بعضنا للبعض واستودعكم الله وشكرا بزاف على بزاف على الشكر الله يخليكم شكرا سعاد حنان شكرا أصحاب شكرا شكرا بزاف على زيد وسوريا الله يخليكم بزاف على شكرا 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 لحضوركم شكرا لحضوركم انا جيت سعيده لحضوركم جيت سعيده لحضوركم والله فرحتوني وشجعتوني وهذا فضل منكم ومن الله سبحانه وتعالى وهذا اول لايف ليا وشكرا لي على ارتكاب او ضد خطا انا اشياء ارتكاب شكرا لكم شكرا بزاف شكرا